Yo les gens, avant que cette vidéo commence, c'était pour vous dire que mon cousin ne pourrait pas être présent pendant ses vacances. Je ne sais pas pourquoi, mais mes parents à moi et à lui sont en train de voir s'il pourrait pas venir les vacances d'avril pendant les 2 semaines. À ce qui paraît, il ne pourrait pas venir parce que nos vacances seront décalées. Bref, je ne sais pas plus et je vous dis tous un bon petit visionnage. Et sur ce, je vous laisse en regardant Petit Rider. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a plu. Enfin, ça va, je fais un petit peu du n'importe quoi. Sur Windows XP, je sais. Non, à vrai dire, non, ce n'est pas vraiment un bug du jeu, si vous voulez. De l'application, parce qu'en vrai, c'est sur portable. Sur mobile. Et si vous voulez, c'est un petit jeu pour passer notre temps. Dans Choose Big Background Image, je sais même pas si je dis correctement, bref, on s'en fout. C'est pour choisir votre fond d'écran, par exemple. Bah, tiens, si je prends les menhirs, bah après vous allez faire avec les menhirs. Mais moi, personnellement,
J'adore l'écran classique de Windows XP. Parce qu'à vrai dire, avant d'avoir eu Windows 7 et compagnie, j'ai d'abord eu XP, j'ai grandi avec cet ordi. Donc voilà, donc moi j'aime bien les classiques. Et choose error image. C'est pour choisir les messages d'erreur. Moi personnellement, c'est lui mon préféré, c'est le classique. Parce que déjà celui-là, c'est pas trop dans le thème d'XP. Celui-là, je connais pas. Celui-là, je connais, mais en vrai, il fait pas vraiment ce bruit. Il fait pas vraiment ce bruit, il fait un bruit qui fait toulou. Enfin, je ne sais pas. Celui-là, en vrai, c'est un petit peu celui-là, mais en mode plus grand. Enfin, voilà. J'aime bien le classique. Et si un jour vous avez au moins ce message, que sera votre préféré pour vous en sortir? Mon perso, ce sera celui-là, puisqu'on peut enlever ou mettre OK. Tu sors facilement. Donc, comme ce que je vous ai dit, c'est une application. Bien sûr, vous allez vous dire, mais alors, c'est une application, je ne peux pas avoir ça pour de vrai. C'est un petit peu faux parce que Windows XP, il est très populaire. Enfin, c'est très populaire pour avoir fait ces jeux. C'est très populaire pour avoir fait ces bruits, ces messages d'erreur dans les YouTube. Personnellement, tous ces messages d'erreur avec les mêmes bruits et tout, dans YouTube. Voilà. Et juste avant, qu'est-ce que c'est un YouTube poop? YouTube poop, c'est YouTube. On entend YouTube et caca un petit peu. Désolé pour les enfants qui me regardent. On entend un petit peu caca. En vrai, c'est son. Par exemple, on va prendre les vieux dessins animés de Mario. Tout mignon et tout. Mais sauf que ils ont un petit peu remplacé des choses. Ils disent des gros mots, des mots dégueulasses, des écrans bizarres. C'est très marrant. Donc sinon, je vous laisse regarder. Vous mettez YTP, ça veut dire YouTube Poop si vous voulez, mais comme salut SELL si vous voulez. SLT, putain. C'est tellement longtemps que j'ai parti ça. Donc voilà. Donc moi je dis que c'est très populaire parce que YouTube Poop, YouTube Poop, c'est n'importe quoi. Tout le monde qui font des YouTube Poop utilise ça. Parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment d'industriel de YouTube Poop ou un truc comme ça. Pas du tout, non. Voilà, donc j'ai juste de trouver une preuve dans un YouTube Poop, comme vous voyez dans le titre en haut, YTPFR, donc YouTube Poop français, dans un YouTube Poop de Harry Potter, vous connaissez tous. Et vous pouvez voir à côté, je sais pas. vous savez que là, il y a juste un message d'erreur juste à côté d'Harry. Bien sûr, comme vous voyez, désolé. Ce n'est pas du tout le même message. D'habitude, c'est marqué en anglais en mettant erreur système et tout. Il est marqué carrément un AVS est survenu dans le cerveau d'Harry. Que souhaitez-vous faire? Rien. Vous avez fait un cri. Donc voilà. Voilà. Ils font un petit peu la même chose. Là, pourquoi j'ai dit tout à l'heure? C'était trop clair. Regardez un petit exemple. Que quelques sorts faciles, bien sûr. Voilà. Ça marche à chaque fois. Ah merde. Bon, ok, laissez tomber. Putain, j'ai fait trop peur. On va mettre pause. Tu sais quoi? Même, on va même quitter carrément. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est populaire d'avoir utilisé ces messages d'erreur. Et aussi, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, je ne sais pas. Donc, si vous êtes. Si un jour et vous servez ça dans votre petit Windows XP qui date, et bien sûr que non, ce n'est pas un jeu ceci, donc on l'aura pas. Grave erreur. Windows XP peut avoir ses bugs comme ça. Tout ce qu'il faut faire, c'est seulement de redémarrer. Comment je sais? Il m'est déjà arrivé. Et regardez, par exemple, vous voyez, tout le monde connaît la petite touche démarrer dans tous les Windows ou même dans les Apple si vous voulez. Et je clique et c'est pas top du tout. Et donc, un jour, on vous est déjà comme ça.
En même temps, c'est pas très facile de quitter parce qu'on peut un petit peu rien faire. Donc voilà, les gars, je pense que on va s'arrêter ici. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a tellement plu. Pour ceux qui suivent, et bah, pour ceux qui me suivent, et bah, faites un don pour mon cousin, pour qu'il puisse venir ici. Vous lui suppliez, je lui enverrai tout en message. Ensuite, aussi, faites des dons. Abonnez-vous à la chaîne de Tazaki 1, un vieil ami dans ma Wii U. Elvio et ses dessins sur YouTube, qui fait aussi des bons vidéos, un pote au collège. Et bah voilà, surtout abonnez-vous aux gens que je me suis abonné. Et surtout, portez-vous bien et je vous dis tous à bientôt. Et par contre, n'oubliez pas un petit peu les 40 abonnés, les 45 abonnés. Voilà, ça me ferait un petit peu de plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Pour ça, je te dis au revoir.